Bonjour, bonjour à tous. Je suis Cécile Giroux, politologue et spécialiste vallonnée du plat pays depuis 1932. Je suis Yann Stotz, historien, géologue et spécialiste de la Belgique de Anvers à Maubeuge. Non, Maubeuge est en France. Hein, oui, bien sûr, à d'autres. Bah, si, Maubeuge est en France. Non, c'est des légendes tout ça. C'est des légendes. Enfin, excusez-nous, on vient de dire qu'on est des spécialistes. Alors, oui, non, bah, oui. Moi, j'avais ma mère qui avait une baraque à frites. Elle avalait les moules comme personne. Exactement. Alors, pardon. Mais... Ah, oui, oui. On est des professionnels. Non, et d'ailleurs, chers Français, voici l'actu belge. Dans l'actu belge, ce mois-ci, scandale sur le concours de Miss Belgique, car une candidate aurait promis des photos d'elle entièrement nue en échange des votes du public. Voilà, tout l'inverse de notre ministre française Marlène Schiappa, qui elle a vu les électeurs voter en masse pour qu'elle se rhabille. Comme quoi, la nudité ne va pas à tout le monde. Suite, pourquoi vous m'avez regardé quand vous dites ça? Non, je n'ai pas regardé. Si, vous avez fait comme ça en me montrant, non, là. Non, je n'ai pas fait de lien. Si. Je dis juste que personne n'a forcément envie de voir vos photos de vacances, de Grèce sur les réseaux sociaux, voilà. Je dis, bon, ça va, trois selfies. Non, il y a des gens qui mangent en train de regarder les réseaux sociaux, ils ont envie de voir quelque chose, ils veulent avoir de l'appétit. Bon, ça ils n'ont pas forcément de l'appétit pour le flan. La suite. Dis donc, faites bien attention, hein. Il va en ramasser une. Revenons maintenant, si vous voulez bien, sur ce scandale du pipi-gate qui, si je puis dire, éclabousse le monde politique belge. Le ministre de la Justice, surpris dans une vidéo où il est méché et imite l'acte d'uriner, il tente d'expliquer son geste en ce moment. Alors, pour en savoir plus et clore le débat sur cette affaire, nous avons avec nous, en direct, en live, hein, la secrétaire du cabinet du ministre, Mirabelle Prunier, qui est en duplex. Mirabelle, bonsoir. Vous nous confirmez que Vincent Van Quickenborn n'a pas souhaité nous parler, c'est ça? Oui, il est en face de moi, il tient la caméra et il ne veut pas faire de déclaration. Mais il me charge de vous dire que ce sont des accusations mensongères et que cette affaire a pris de trop grosses proportions. Donc vous confirmez, c'est une fake news? Ah oui, il s'est expliqué. Il a expliqué, c'est un problème de... c'est un effet d'optique. Voilà, c'est... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais... Oui, je veux dire, c'est votre première émission, mais c'est affligeant, en fait. Non, c'est affligem. Trafic routier, maintenant, si vous le voulez bien, avec l'apparition des gyrophares verts sur les routes depuis cet été. Eh oui, des signalisations font leur apparition. Donc, chers Français, si vous prenez les routes belges pour cette rentrée, attention à cette nouvelle couleur qui signifie « attention aux crocodiles ». Non, c'est pas ça. Non, ça signifie « pompier en intervention ». Ah, non, pas du tout. Les pompiers en intervention, ça fait pimpon, pimpon dans un camion rouge. Si vous allez vous retrouver face à un crocodile, à un rond-point, vous ferez pas le malin, mon pauvre. Ben oui, le vert, c'est pour le crocodile. Le gyrophare jaune et brun, c'est pour les girafes. Le girafard. Oui, mais non. Le girafard rose sera de rigueur pour indiquer de marquer un stop pour laisser le passage lors d'un char, lors de la Gay Pride. Si le girafard clignote en rose, en bleu, c'est que le char est genré homme et femme, homosexuel. Non, mais je peux... S'il flash rose, bleu et expulse des fleurs blanches à son sommet, c'est qu'un passage imminent d'un char LGBT transgenre non-genré est sur le point d'avoir lieu. Mais vous êtes fous, mais non. Si le girafard, taisez-vous, est quadricolore vert, rose, bleu, blanc, non. Avec un bip de danger sonore, c'est qu'un crocodile non-binaire homosexuel non-genré est à l'approche sur un rond-point. Mais bon, si un panneau lumineux avec un carré blanc s'active, c'est que le rond-point n'est plus rond, mais carré. À noter que nous appellerons toujours ça un rond-point et non un carré-point. Ou alors un rond-point carré. Mais c'est nul. Mais attendez, c'est le code de la route. Arrêtez, c'est sérieux. Vous allez semer la pagaille en Belgique avec vos bêtises. Oh, bah, vous croyez que ça allait pas déjà? Non, mais enfin. Attention, hein, monsieur Warzaïb, hein, ça va pas. Oui, de Warzé d'abord. De Warzloub. De Warzé. Oui, Warzloub. On sait. De Warzazib. De Warzé. Non, c'est Warzé. On n'est pas là pour épiloguer sur les noms de famille. Ouais. Warzazat toujours, car c'est à Molenbeek. Non, vous allez pas. Non. Qu'est-ce que c'est que cette transition là? C'est pas possible. Je vois pas le rapport entre Warzazat et Molenbeek. Ah bah vous êtes jamais promené à Molenbeek. Dites pas ça enfin. Dites. Bon. Moi je suis obligé de donner la parole à Cécile. Hein. Céline. Ah non, Cécile, vous avez raison.
Molenbeek, donc, où la prochaine Miss Provence a élu domicile, oui. Elle serait dentiste dans la bourgade, hein, qui a vu éclore de nombreuses célébrités connues des Français, telles que... Non, on va pas dire les noms. Si, il faut quand même dire que les frères... Non, après, les Belges vont encore dire qu'on les critique, donc c'est bon. Oui, pardon, mais au moins, les Canadiens, eux, ils envoient des chanteurs dans les salles de concert en France. Les Belges, c'est pas la même chose. Vous savez quoi, vous allez partir déjà. On est spécialiste, on vous le dit. Non, on avait d'autres choses. Jérôme Dewarze. Non, Dewarze Blue. Oui, Dewarze Blue. Levez-vous et partez. Il sait même pas dire son nom. C'est Dewarze Blue. C'est un imposteur. C'est un imposteur.